Je profite de mes stories ménage, les gars, pour vous demander un truc. Donc déjà, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Je vous ai mis un petit carré là pour répondre à une question. Si jamais vous voulez me dire ce que vous faites de votre dimanche, j'aimerais savoir si vous avez des arbres à chat conseillés dans les tons vraiment clairs comme celui-ci et qui supportent le poids des Maine Coons, parce qu'en fait, celui-ci n'est pas 100% adapté et il commence à être mort à certains endroits. Donc voilà, dites-moi si jamais vous avez des liens, des sites, etc. Parce que moi, je galère à trouver. Ah, mon petit doudou, tu l'aimes ton nouveau panier ou pas? Oui. Je crois pas, j'ai pas vu sa bouche s'ouvrir. Hein. Je crois que c'est un leurre. La gamme Delirium Floral de chez Baija. J'avais déjà reçu une gamme, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelait, mais elle était vraiment très colorée comme ça. Et la marque Baija, c'est une super marque. Et j'ai terminé, c'était dans la véranda, je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que j'avais dû vous le montrer dans un vlog, mais c'était très coloré comme ça et j'ai terminé le... Vous savez, c'est avec les petits bâtons là, le diffuseur comme ça et la bougie, et j'avais kiffé, donc je suis trop contente. J'ai reçu un diffuseur, les gommages de chez Baija sont super, et également la brume pour le corps. Cette collection Charlotte Tilbury, elle est trop trop belle, vraiment elle crie l'automne, j'aime trop. Elle est super complète, en plus vous avez la palette pour les yeux, la palette pour les joues, vous avez ici à droite le crayon liner qui est super pigmenté et en plus il glisse de ouf, franchement j'ai trop hâte de le tester. Je vais tester toute la collection demain, je vais me maquiller avec toute la collection. Ici vous avez le crayon pour les lèvres, ensuite vous avez le rouge à lèvres, donc il est mat, mais enfin c'est un mat mais quand même avec un rendu, c'est un mat brillant je dirais. Et ici vous avez le rouge à lèvres, donc vous savez c'est ce format-ci qui a un fini brillant. La collection est folle. Ensuite j'ai reçu un colis, alors KVD Vegan Beauty, j'espère que je me suis pas trompée, anciennement Kat Von D, je pense que vous en avez forcément entendu parler. Donc là c'est le rouge à lèvres Lolita, moi ceux-là franchement je les collectionne de ouf, je les aime trop, le packaging il est magnifique. Donc ici vous avez le Lolita version rouge à lèvres, le Lolita version lac, et celui-ci je ne le connaissais pas, franchement j'ai trop trop hâte de le tester. Le Everlasting, ils ont pas encore séché, mais donc là vous avez les deux Everlasting. Le plus foncé, c'est le Lolita classique. Le plus clair, c'est donc le Lolita 2 avec le Everlasting. Vous savez, le crayon, le lip liner, en fait, que vous n'avez pas besoin de tailler et tout, si jamais vous ne les connaissez pas. J'en ai plein, franchement. Je les adore. Ils sont vraiment formidables. Et pareil pour les Everlasting, vraiment, ce sont des encres à lèvres, en fait. Là, ils n'ont pas encore séché, mais ce sont des encres à lèvres. Et je disais, si jamais vous ne les connaissez pas, ils sont formidables. Vraiment, je les adore. Ils ont une super tenue et tout. Enfin, franchement, je les aime trop. J'ai aussi reçu à nouveau le Go Big... Oh, non. Go Big or Go Home, c'est un mascara qui est très 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 cool. Et un des meilleurs liners que je connaisse, c'est le Tattoo Liner de Kat Von D. KVD Vegan Beauty. Je vais y arriver un jour.